we are cleared for takeoff, and I hit the run counter, and I'm ready to go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1 meter, 2 meters. Good luck. L'homme qui est à mes côtés, qui vient donc de réaliser une première dans l'histoire de l'aviation. Qui aurait pu penser qu'il restait une première à réaliser en aviation, presque 90 ans après Lindbergh? Cette première, vous l'avez vu, c'est la traversée de l'Atlantique sans une goutte d'essence, avec le soleil pour seul carburant, 71 heures et 8 minutes de vol sans interruption entre New York et Séville, dans un engin, vous l'avez vu, qui pèse un peu moins ou un peu plus de 2 tonnes et qui a l'envergure qui est large comme un 747. Le patron des aéroports de New York a eu cette phrase: c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'air pur. On va en parler dans quelques instants avec lui. D'abord, Françoise Benhamou du Cercle des économistes, si vous voulez bien introduire cette demi-heure. Alors, bonjour, quelques mots seulement. Cette session un peu atypique, ce sera la session des 4 R. Les 4 R, c'est le rêve, la recherche, le risque et la réussite. Alors le rêve, dans toute innovation, évidemment, il y a une part de risque et une part de rêve. Il y a la volonté d'explorer de nouveaux territoires, il y a la capacité de dire « on y va » et vous y êtes allé. Il y a un pari. Et il faut des hommes qui font confiance à ceux qui portent les rêves. La confiance est d'ailleurs le premier terme qui avait été employé par les jeunes à l'ouverture de ces rencontres. Il faut des entreprises, il faut des entreprises qui soutiennent ces innovations, Solvay ici en l'occurrence. Et j'étais frappée d'ailleurs lorsque Google s'est restructuré en Alphabet, il y a toute une entité qui est un labo de recherche qui s'appelle X. Et ce qui est intéressant, c'est que dedans, il y a des gens de tous horizons, pas seulement des ingénieurs, et qui sont libres de lancer les programmes de recherche qu'ils souhaitent, y compris éloignés des métiers de base de la compagnie. Alors la recherche, justement. La recherche, le projet Solar Impulse a pris racine à l'EPFL, l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, un lieu d'excellence. Et juste une petite remarque à cet égard, le budget de l'EPFL par étudiant, c'est le double de celui des étudiants de l'école polytechnique de Palaiseau, pourtant considérés comme les enfants gâtés de la République, ce qui montre la faiblesse de la politique de recherche dans bien des pays européens. Mon troisième point, ce sera sur le risque. Je viens des industries culturelles, on considère en moyenne dans les industries culturelles que 20% des produits ne rapportent rien, ils sont tout juste amortis, et 5% seulement sont profitables. La culture de risque, elle est vraiment consubstantielle à ces industries, elle est consubstantielle à toutes les industries qui marchent. Et l'aversion au risque, c'est véritablement le péché capital des économies en crise. Alors au Cercle des économistes, nous militons pour une culture du risque qui soit aussi une culture d'ailleurs de la deuxième chance, si ce n'est de la troisième chance. Et enfin, mon dernier point, c'est sur la réussite, votre réussite. La prise de risque a amené Solar Impulse à la réussite, et c'est une réussite qui est magnifique et qui est en même temps paradoxale. En des temps d'accélération, il y a toute une littérature philosophique, économique là-dessus, l'avion Solar Impulse a traversé l'Atlantique en un peu plus de 70 heures de vol, je crois. Et cela démontre que les technologies propres emportent avec elles un rapport au temps qui est revisité. Allons plus loin, cette aventure démontre tout simplement, si je puis dire, car rien n'est simple, elle démontre en tous les cas que les questions d'économie propre
implique un changement de paradigme, un changement de paradigme sociologique, économique et technologique. Merci. Merci Françoise. Avant d'entendre Jean-Pierre Clamadieu qui est avec nous, qui est le président du comité exécutif du groupe Solvay, qui est l'un des principaux soutiens de Solar Impulse, Bertrand Piccard, je voudrais d'abord qu'on revienne sur le premier R de Françoise Benhamou, celui du rêve. Quelle est la part de rêve dans le projet de Solar Impulse? Vous avez dit, après votre atterrissage à Séville, que c'était la réalisation d'un rêve pour vous, vieux de 17 ans. C'est d'une certaine façon une victoire de l'obstination, de la persévérance pour vous? C'est une victoire de la persévérance, c'est une victoire de l'esprit d'équipe. Et quand on parle de rêve, je crois qu'il faut se rappeler que le rêve, c'est ce qu'on a quand la réalité ne nous satisfait pas. La réalité d'aujourd'hui ne me satisfait pas. Je pense qu'au niveau de la gouvernance de notre monde, je pense qu'au niveau de l'économie, de l'industrie, de la protection de l'environnement, on pourrait faire mille fois mieux. Et que ce qu'il faut maintenant insuffler à la population et aux gens qui nous dirigent, c'est ce goût d'aller au-delà de ce qu'on croit possible. C'est d'aller au-delà des limitations qu'on s'inflige à soi-même et qui nous gardent prisonniers de vieilles manières de faire et de penser. Donc à ce moment-là, le rêve, oui, mais ce n'est pas un rêve qui est abstrait, c'est un rêve de rendre le monde différent et meilleur. Vous avez célébré l'esprit pionnier en arrivant à Séville après votre traversée de l'Atlantique. Qu'est-ce que l'esprit pionnier? Mais je crois que l'esprit pionnier, c'est ce qu'on a quand on peut observer ce qu'on a appris et se dire que ça ne nous suffit pas et qu'on aimerait faire plus et différent. L'esprit pionnier, c'est quand on analyse toutes nos certitudes et qu'on accepte d'en sortir. C'est quand on dépasse sa zone de confort. L'esprit pionnier, c'est ce qui nous permet d'innover et d'évoluer. Sans esprit de pionnier, je pense qu'il n'y a pas d'évolution possible pour l'humanité. Jean-Pierre Clamadieu, président de Solvay, groupe qui a conçu et produit, m'avez-vous dit, plus de 60% du poids de l'avion et hein, des milliers de pièces. Là aussi, c'est un partenariat ancien qui s'est noué. De quelle façon et sur quel projet, sur quelle envie? C'est un partenariat qui est très ancien. En fait, Ernest Solvay, le fondateur de notre groupe, il y a 150 ans, a accompagné le grand-père de Bertrand dans son aventure d'aérostatier. Donc lorsque Bertrand est venu nous voir il y a 12 ans pour nous dire « j'ai ce rêve, est-ce que Solvay peut m'aider ?» On a répondu oui. On a répondu oui parce que nous sommes persuadés que la chimie aujourd'hui est une activité qui a beaucoup à apporter pour régler, pour participer au traitement d'un certain nombre des problèmes. Nous avons chez Solvay une focalisation très grande sur les matériaux pour l'allègement. C'est devenu aujourd'hui le cœur du métier du groupe. Il n'y a pas de meilleure vitrine qu'un projet comme celui-ci, qui allie la technologie, qui allie la science, qui allie l'esprit pionnier, comme vous le disiez tout à l'heure. Et nous sommes effectivement très fiers pendant ces 12 ans d'avoir accompagné Bertrand, d'avoir accompagné le projet Solar Impulse. Nous avons le sentiment d'avoir une extraordinaire vitrine de ce que la science peut apporter. Et effectivement, chez Solvay, notre conviction, c'est que la science a encore beaucoup à nous apporter. Nous avons dans nos laboratoires, nous avons dans les universités avec lesquelles nous avons des partenariats, des idées, des projets qui permettent de réaliser des projets aussi ambitieux que l'a été Solar Impulse. Solar Impulse, avion qui vole sans une goutte d'essence, disais-je, mais fabriqué avec des pièces produites à partir de pétrole. Ah, le pétrole n'est pas un grand méchant dont il faut se débarrasser. Le pétrole a des caractéristiques particulières qu'il faut savoir bien utiliser. Et effectivement, pour fabriquer un certain nombre de ces matériaux qui permettent de relever un défi comme celui-ci, il nous faut du pétrole, et c'est très bien. Il faut savoir utiliser le pétrole là où il est absolument indispensable, c'est le cas. Mais il permet aussi à cet avion de voler sans une goutte de kérosène et de parcourir, comme on l'a vu, quelques dizaines de milliers de kilomètres. Bertrand Piccard, au-delà de la valeur de l'exploit, on voit bien avec ce projet Solar Impulse qu'on est encore très loin des standards de l'aviation commerciale. Cet avion n'est capable que de transporter une seule personne et dans des conditions, on l'a vu, de rapidité et de confort qui sont toutes relatives. Quelle est la valeur exemplaire du projet Solar Impulse? En fait, avec Solar Impulse, nous commençons un nouveau cycle dans l'aviation. Le premier cycle a commencé en 1903 avec les frères Wright, exactement comme nous.
un avion monoplace qui volait lentement uniquement dans le beau temps. La différence, c'est qu'il avait du pétrole. Mais 66 ans après les frères Wright, il y avait quand même deux hommes sur la Lune. Et ce qui n'était absolument pas possible en 1903 est devenu une banalité totale pour nous aujourd'hui. Donc avec Solar Impulse, on recommence un deuxième cycle, la même chose, mais sans pétrole, sans carburant. Et je pense que d'ici 10 ans, nous aurons des avions moyens courriers qui pourront transporter 50 personnes à l'électricité. Je ne dis pas au solaire, parce qu'en solaire, finalement, vous avez un avion électrique qui produit sa propre énergie au fur et à mesure avec le soleil. Mais on peut très bien avoir des avions électriques qui sont branchés sur le secteur avant de décoller, qui chargent leurs batteries. Cette énergie-là peut être propre, elle peut être solaire, elle peut être éolienne, géothermique, hydroélectrique, etc. Mais l'avantage de l'aviation électrique, c'est que vous pouvez avoir des avions qui atterrissent dans des aéroports urbains de nuit, ce qui est un avantage pour les passagers, mais aussi pour les compagnies aériennes et pour les aéroports. Et il n'y a pas de bruit, pas de nuisance, pas de pollution pour les riverains. Donc, on voit bien que dès que, avec des esprits pionniers, vous ouvrez une voie et vous montrez que quelque chose d'impossible devient possible, à ce moment-là, l'industrie peut suivre et peut le développer. Vous avez cité les frères Wright, on a cité Lindbergh tout à l'heure. Est-ce que je dois préciser pour l'anecdote que vous avez eu la chance de rencontrer Lindbergh, vous, petit garçon à 11 ans ? Oui, j'avais 11 ans au décollage d'Apollo 12. Nous étions tous les deux invités par la NASA. Et c'est vrai que quand on rencontre Lindbergh, après avoir lu comme enfant son histoire dans un livre d'enfant, on se dit qu'il n'y a plus aucune différence entre le rêve et la réalité. On lit quelque chose, on en rêve et on rencontre la personne. Oui. Et ça a été vraiment marquant. Je me suis dit, mais si je rêve de quelque chose, ça va aussi se réaliser. Oui, et je dois rappeler pour le public ici que vous êtes issu d'une famille d'aventuriers, de savants, que votre père a accompli la traversée de l'Atlantique en sous-marin. Vous-même, vous l'avez accompli deux fois en ballon et vous êtes le petit-fils du professeur Picard, évidemment l'homme du bathyscaphe. Je reviens aux applications, de ces coques à l'âne. Je reviens aux applications de Solar Impulse. On en parle pour l'aviation, mais vous pensez, Bertrand Picard, qu'on peut avoir des applications au sol aujourd'hui, que la valeur exemplaire de Solar Impulse, c'est aussi pour des installations au sol. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que Solar Impulse est utile. Le monde de l'aviation n'y croit pas encore. Je pense que les premiers avions électriques ne seront pas faits par le monde aéronautique, il sera fait par des arrivants de l'extérieur comme Elon Musk avec la Tesla pour l'automobile. Rappelez-vous bien que ce ne sont pas des vendeurs de bougies qui ont inventé l'ampoule électrique. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rappeler. Par contre, il y a déjà aujourd'hui des applications terrestres qui font la valeur de Solar Impulse. Et ce que Jean-Pierre Clamadieu fait avec le groupe Solvay est un exemple extraordinaire. On a besoin aujourd'hui de technologies propres, c'est-à-dire pas seulement d'énergie renouvelable, mais de technologies propres qui permettent d'économiser de l'énergie. Et ça, c'est un marché mondial extrêmement important. Et si on veut relancer la croissance, je pense que c'est ça qu'il faut offrir. On ne va pas avoir de la croissance dans notre monde si on continue à vendre la même chose. On va l'avoir si les acheteurs et les clients ont un avantage à renouveler ce qu'ils ont. Et je pense que l'économie d'énergie et l'efficience énergétique, c'est cet avantage qu'on peut leur offrir. Et Jean-Pierre, je crois que tu as énormément d'exemples à ce niveau-là. Jean-Pierre Clamadieu, ancien vendeur de bougies, non ? Chez Solvay ? On va essayer d'inventer l'ampoule. Donc, enfin, ce que je voudrais souligner, c'est que toutes les technologies qui sont sur cet avion sont aujourd'hui des technologies disponibles. Nous les commercialisons. Elles ont des applications dans l'automobile, elles ont des applications dans les énergies renouvelables. Les systèmes de batteries développés grâce à Solar Impulse sont aujourd'hui commerciaux. Les matériaux d'allègement le sont également. Ce qui est extraordinaire dans Solar Impulse, c'est qu'on a combiné tous ces éléments pour en faire un système extrêmement performant. Et ce qui me frappe, je fais un métier dans lequel la consommation d'énergie est importante, on passe beaucoup de temps dans un groupe comme Solvay à optimiser nos consommations d'énergie. Ce qui est incroyable, c'est l'extraordinaire efficacité du système. Et là, effectivement, ce que Bertrand et ses équipes ont réussi à faire à la fois en créant cet avion et en le faisant voler, c'est optimiser l'énergie. Le moindre électron qui est produit grâce à l'énergie solaire, il est utilisé au bon moment avec le meilleur rendement possible dans cet avion. Et c'est ça qui est fantastique. Mais nos technologies, elles sont disponibles, nous les vendons au quotidien. Il n'y a rien dans cet avion qui nous renvoie aux années 2050. En revanche, ce qui est extraordinaire à nouveau, c'est d'avoir su les combiner de la manière dont Bertrand l'a fait.
Bertrand Piccard, quelles sont les faiblesses technologiques aujourd'hui de Solar Impulse? On sait que l'avion a été resté cloué au sol pendant de longs mois à Hawaï à cause de questions de batteries, c'est ça? Ce sont les batteries qui étaient déficientes, qui n'évacuaient pas assez la chaleur? Non, en fait, les batteries n'étaient pas déficientes. Nous avons fait une erreur opérationnelle avec ces batteries qui ont surchauffé et que nous avons dû remplacer. C'était pendant le vol de mon ami André Borschberg entre le Japon et Hawaï. Évidemment, les adversaires des technologies propres ont tout de suite brandi le drapeau de la méfiance et du doute en disant « Vous voyez, ces technologies ne sont pas prêtes ». Ce n'est pas vrai, ces technologies sont totalement prêtes, mais on les a mal utilisées. Alors, les faiblesses de Solar Impulse, c'est les faiblesses de tout engin expérimental. Quand vous commencez quelque chose de nouveau, qu'il n'y a aucun benchmark, que personne ne peut vous aider ni vous expliquer comment faire. Il faut essayer, il faut se lancer, il faut faire le leap of faith, hein, le saut de la foi, et puis apprendre de ses erreurs pour s'améliorer. Il y a, je rappelle, 17 000 cellules. Oui, 17 248. Bon, si vous le dites, je vous crois, sur les ailes placées, disposées sur les ailes de Solar Impulse. Françoise Benhamou, peut-être une question de... Oui, une curiosité de profane. J'avais une question d'abord pour Solvay. Vous n'avez jamais eu de doute, parce que 12 années de soutien, c'est long. Il y a des moments, j'imagine, difficiles. Donc, comment on soutient comme ça quand on est une entreprise? Comment on s'engage sur le long terme? Effectivement, dans nos gènes, cette capacité à s'engager sur le long terme. Solvay, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise qui a gardé un actionnariat familial au long de ces 150 années. Et je crois que ça aide à avoir une vision de long terme. Au-delà de ça, oui, bien sûr, on a eu des doutes. Hein. Moi, je raconte quelquefois cette anecdote. Solar Impulse, c'est en fait un projet dans lequel on a construit successivement deux avions. Le premier, d'ailleurs, est visible à la Cité des Sciences à la Villette. Et lorsqu'on a construit le second avion, au moment de faire l'essai, les essais mécaniques qui permettent de s'assurer que cet avion pouvait voler, la poutre centrale a cassé. J'ai reçu un petit mot me disant « le projet va prendre un an de retard ». Et puis j'ai eu un petit message de Bertrand me disant « est-ce que je peux passer te voir à Bruxelles ?» Donc Bertrand est venu, je m'attendais à voir un aventurier un peu déçu me disant « c'est terrible, il va falloir attendre un an, mais merci de continuer à nous soutenir ». Et pas du tout. Il est venu avec une super idée, disons, le premier avion a encore un potentiel de vol, et si on traversait, si on traversait les États-Unis d'ouest en est? Et c'est l'aventure qui effectivement a été réalisée il y a deux ans. J'ai dit immédiatement banco, comme les autres sponsors, et j'ai été impressionné de cette capacité à rebondir, qui trouve d'ailleurs plein d'applications concrètes en entreprise. C'est un exemple que je cite souvent à mes équipes. Comment transformer ce qui était au fond un vrai problème en une opportunité? Et je pense que cette traversée de l'Atlantique d'ouest en est a vraiment été une très très bonne préparation autour du monde. Et donc ce qui nous a au fond, c'est pendant ces 12 années, nous avons vécu au rythme de cette aventure et nous sommes vraiment très heureux d'avoir eu la constance qui nous a permis de l'accompagner. Et très franchement, aujourd'hui, on voit presque avec un tout petit peu de regret la fin de ce périple. Il va falloir qu'on trouve d'autres défis à relever au sein du groupe, mais pour nous, c'était très naturel d'inscrire ce partenariat dans la durée. On n'est pas des sponsors ponctuels de tel ou tel événement. Ce n'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse. Mais relever un défi technologique comme cela, avec une équipe aussi enthousiaste, aussi motivée, aussi prête à faire des ruptures, pour nous, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens. Bertrand Piccard, je voudrais qu'on termine. On a beaucoup évoqué, enfin, on a évoqué depuis 8 heures l'aventure scientifique et technologique. On a un peu évacué l'aventure humaine, l'exploit personnel que représente aussi ces traversées d'avion. Il faut rappeler à ce public dans quelles conditions vous volez, dans un tout petit habitacle de 3 mètres cubes, hein, je crois, équipé de bouteilles d'oxygène pour vous permettre de respirer. Cet habitacle-là n'est pas pressurisé. Quelle est la part de risque? Comment vous ressentez et vous gérez ce risque d'être aux commandes d'un avion sans réserve de gaz et sans se dire qu'on peut éventuellement pousser la manette pour repartir en cas de trouble ou de trouble météorologique notamment? Non, mais c'est vrai que par moment, quand j'étais au milieu de l'Atlantique, avec encore plusieurs milliers de kilomètres d'eau devant moi, je regardais mes moteurs électriques qui tournaient, je voyais le soleil, je me disais, cet avion est complètement expérimental et nous sommes complètement fous de faire ça.
Et puis ensuite, je me rappelais que ce qui est encore plus fou, mais dans le mauvais sens du terme, c'est de vivre dans un monde où on brûle 1 million de tonnes de pétrole par heure, où on change le climat, où on épuise les ressources naturelles et où on laisse aux générations futures des déficits abyssaux qu'ils ne pourront jamais payer. Et là, je me suis dit, mais ça vaut la peine de prendre des risques, ça vaut la peine de se lancer dans un projet fou, parce que finalement, ça donne du rêve aux autres, ça entraîne les autres dans ce processus de pionnier, et surtout, ça montre ce que c'est que le monde de l'exploration. Le monde de l'exploration, c'est justement quand on sort de sa zone de confort, où on affronte les doutes et les points d'interrogation qui se mettent à stimuler notre créativité, et que ça nous rend performants, confiants, efficace, concentré, conscient finalement, dans les moments les plus invraisemblables. Le monde de l'exploration, c'est un monde qui donne confiance en l'inconnu. Et je pense que c'est ça le message principal. Les technologies propres, c'est fondamental pour l'économie, c'est fondamental pour l'industrie, c'est fondamental pour la croissance. Et le monde politique devrait en prendre conscience aujourd'hui. Mais le monde de l'exploration, c'est celui dans lequel nous pouvons tous entrer chaque fois que nous voulons faire évoluer nos études, notre métier, notre famille, notre communauté ou notre pays. Et c'est finalement ça le message. Tant qu'on reste prisonnier de vieilles manières de penser, on n'avancera pas. Dès qu'on embrasse l'inconnu, on trouve en soi des ressources supplémentaires. Et ces ressources-là, c'est des ressources qu'on découvre dans ces instants-là. Et c'est ça qui donne le sens à l'exploration. Vous aurez noté la modestie de Bertrand Piccard qui a... Modestie qui l'a fait évacuer la question sur le risque individuel, le risque personnel qui est évidemment réel puisque vous devez naviguer entre les nuages et surfer entre Mais je peux quand les même conditions météo. Oui, je peux quand même vous dire, nous avons un parachute, un canot de sauvetage, nous savons les utiliser. Bon, très bien. Françoise Benhamou, quelques mots de conclusion, si vous voulez bien. Déjà, on vous écouterait longtemps. Hein. Je voudrais m'adresser aux jeunes qui sont là, hein, parce que je les vois là absolument passionnés. Et juste un mot à vous. Allez voir le site de Bertrand Piccard, qui se qualifie de s'aventurier. Si j'avais envie de vous passer un message... Soyez savants, c'est-à-dire travaillez, apprenez, cultivez-vous, etc. Puis soyez un peu aventuriers aussi, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, sortez de vos zones de confort et allez vers vos rêves. Merci. Merci. Voilà, ce site, c'est Bertrand Piccard, tout attaché, avec deux C-A-R-D.com. BertrandPiccard.com. Merci à vous et merci d'être venu si tôt pour suivre ce premier événement aux rencontres économiques. Merci à vous.